Il y a une forme d'investissement qui fait peur à beaucoup d'Africains dans la diaspora, que ce soit en France, en Belgique, en Ukraine, en Russie, en Thaïlande, n'importe où. Il y a une forme d'investissement qui fait peur à beaucoup d'Africains, OK? Et cette forme d'investissement-là, elle est pourtant accessible à tous ces Africains qui sont dans la diaspora. Et cette forme d'investissement peut permettre à tous ces acteurs de la diaspora de pouvoir faire de très, très bonnes performances. Regarde, quand tu vis en Occident, tu ne vis pas en Occident pour un jour, tu ne vis pas en Occident pour 2 jours, tu vis pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je vais te dire dans cette vidéo, je vais te passer un message. Apprends à investir en bourse. Apprends à investir dans les marchés boursiers. Si ce mot est nouveau pour toi, ce n'est pas un problème. Contacte-moi, je vais te montrer comment ça fonctionne. Apprends à investir dans les marchés boursiers. Fais tout ce que tu vas faire. Fais l'agriculture, fais l'élevage, fais le e-commerce, fais le dropshipping. Fais tout ce que tu vas faire. Mais crée un compte en bourse et apprends à investir en bourse. Parce que l'investissement en bourse, c'est ta vie. C'est toi qui fais fonctionner l'investissement en bourse. Donc, comprends comment l'investissement en bourse fonctionne. Pour beaucoup de personnes, la bourse, c'est le loto. C'est faux et c'est très faux. Je travaille avec beaucoup d'Africains qui sont aussi dans ce domaine et qui font de très bonnes choses, qui battent de très bonnes rentabilités. Il te suffit simplement d'avoir quelqu'un qui va arrêter ta main et te montrer comment est-ce que tu pourras débuter, analyser, comparer, te challenger et ainsi de suite. C'est tout ce que tu as besoin. Et il y a des investissements en bourse que tu peux faire qui ne te demandent pas de passer le temps devant la machine. Tu les automatises très bien et puis ça fonctionne facilement. Apprends à investir en bourse. Bye bye.